Benoît Leguet, directeur général d'I4C, Institute for Climate Economics. Aligner les flux financiers avec les objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire nous amener vers un monde qui permette de limiter le réchauffement à 2 degrés et qui soit résilient au changement climatique qui s'annonce. Pourquoi c'est indispensable? C'est tout simplement parce que si on n'aligne pas les flux financiers avec ces objectifs, on n'y arrivera pas. L'économie est financée d'une certaine façon par le secteur financier au sens large. Et donc, si on veut un monde 2 degrés et un monde résilient au changement climatique, il faut faire en sorte que ce monde devienne réalité en le finançant. Alors, en fait, il faut plutôt que de faire des gros investissements aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir quels sont les investissements nécessaires tout au long de la transition, et donc réfléchir avec un horizon de temps qui soit suffisamment long. Aujourd'hui, on peut faire un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément coûteuses, et la question est de savoir si elles sont pertinentes pour une trajectoire de long terme. Est-ce qu'en faisant des choses pas très coûteuses à court terme qui permettent de réduire les émissions, nous ne sommes pas en train de nous enlever des options pour le futur? Par exemple, si aujourd'hui je rénove mon bâtiment, mon logement, pour passer d'une classe énergie F à une classe énergie C, si dans le futur je dois avoir une classe énergie A, eh bien je me tire une balle dans le pied en fait en passant de F à C aujourd'hui, parce que demain, dans 10 ans, je devrais réinvestir pour passer de C à A. Si aujourd'hui je passe de F à A directement, j'investis plus au début, mais ça me coûte moins cher sur la durée. Alors les politiques économiques basées sur le PIB, la question c'est quelles sont ces politiques finalement? On nous dit toujours oui le PIB, la croissance, c'est important, mais pour moi l'essentiel c'est avant tout d'être sur un monde 2 degrés résilient, parce que sinon la croissance ou la décroissance viendra de façon un petit peu abrupte et dans quelques années. Donc la question du risque, quel risque prenons-nous à avoir une croissance entre guillemets qui soit très carbonée, doit être posée par les politiques. Et c'est peut-être à cette aune qu'il faut reconsidérer le PIB. La question que j'aurais envie de poser de toute façon, c'est à quoi sert le PIB aujourd'hui? Il ne sert pas en tout cas directement aux acteurs économiques qui sont les vrais vecteurs de la transition énergétique. Alors le coût d'un projet de transition énergétique est une valeur relative. Il faut toujours le regarder au regard des différentes options qui sont sur la table. Et par ailleurs, il faut tout intégrer dans le coût, c'est-à-dire à la fois l'investissement aujourd'hui, les coûts opérationnels, c'est-à-dire finalement, par exemple, pour une centrale électrique, les coûts en combustible tout au long de la durée de vie de l'investissement. Et puis par ailleurs, dans les coûts, il faut intégrer également la fin de vie de l'installation, c'est-à-dire son démantèlement éventuel ou le caractère, disons, non opérable que pourrait avoir l'installation au bout d'un certain nombre d'années. Si par exemple, j'investis aujourd'hui dans une centrale au charbon et qu'on me dit dans 10 ans, la centrale au charbon, ben désolé, on n'a plus le droit de faire du charbon, je perds mon investissement. Et donc ce coût doit être pris également en compte. Donc il faut prendre en compte à la fois le coût d'investissement, mais également le risque sur l'exploitation future d'un certain nombre d'actifs.